Bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité people d'ici et d'ailleurs. Vous êtes bel et bien dans le Fafa, votre émission préférée. Merci à tous ceux qui partagent, qui distribuent et qui continuent sur les réseaux sociaux Fafa. On est là pour vous donner de la bonne humeur et surtout vous mettre bien depuis vos salons. Recevez votre humble serviteur que je suis, Serge Dufalé. Et comme pour habitude, elle est encore là, back the game, la go. Bon, je la faut compléter. La go cracra du jazz. Oh, yeah. Bah, merci de m'avoir soutenue quand j'étais convalescente. Je sors de maladie, donc voilà. Il faut que les téléspectateurs sachent pourquoi. Ils sachent pourquoi tu n'étais pas présente ces derniers temps. Mais voilà. J'ai l'impression que quand, à chaque fois que tu sors de maladie, tu commences à rajeunir, tu prends un peu plus de beauté. Oui, parce que bon, il faut vaincre la maladie. Ouais, tu vois, la maladie n'a aucune autorité sur ma vie. Donc, quand je sors de maladie, je montre à la maladie que tu n'es personne. Ah, bon, enfin, maladie, tu n'es personne, elle est avec toi, elle est de retour. Mesdames et messieurs, nous recevons ici aujourd'hui dans Fafa, Frankie DiCaprio, la merveille. Bonjour Frankie DiCaprio. Ouais, bonjour. Bienvenue chez vous, voilà. Merci, c'est la famille, bienvenue chez moi. Ah bah oui, c'est chez toi aussi, là, c'est vrai. Famille, hein. Ça fait plaisir de le revoir, hein, Défalé. Ouais, mais oui, parce que ça fait quand même belle lurette. Frankie DiCaprio, waouh, c'est toute une histoire. Hein? Ça commence où? À la rue Princesse. Ouais. Alors, station, à la station, oui. Non, même avant. Même avant. Hein? Oui, même avant. Alors, Francky, comment ça commence en tant que DJ, déjà? Ben, on va dire ça. Moi, je peux dire que ça a commencé même depuis Gagnoa, depuis le lycée de Gagnoa. D'accord. Quand j'étais au lycée, il partait, je me jouais les rappeurs. Ouais, un peu notre temps, on était un peu rappeurs. C'était le temps de hip-hop. Hip-hop, All Might, ouais. Tizzo, tout Tizzo, ça. Tizzo, ouais, c'était l'époque. Voilà, en tant qu'élève, on avait nos groupes de peau aussi, les trucs. On partait faire les sound system, les machins. Parfois, quand il fallait aussi jouer, mettre les beats. Voilà, pour que voilà, d'autres rap, tout ça. Là. Donc, moi, j'aimais bien. Avant, c'était les decks, là. Donc, ouais, les decks, bien, ouais. Voilà. Ouais. Les trucs, les cassettes, tu rebobines la cassette dans tout le monde. Tu prends avant, tu vois la dimanche, tu mets dedans. Et puis quand moi je vois la cassette, on dit oh non, c'est lui qui est fort, donne-lui la cassette. Quand il voit la cassette, il sait à quel niveau la bande, le beat, tel beat. Donc quand il prend la cassette, il dit non, là c'est pas là, je rebobine. Le gars, il me savait, non, c'est bon, quoi arriver. Mais en fait, c'était déjà comme les platines. Voilà, les platines même des DJ là. Il y a les deux boules là. C'est comme les deux têtes des cassettes, c'est là, en fait. Donc, après, ouais. Tu dis, bon, ça, c'est à niveau, ça, c'est à niveau, c'est le but. Donc, dès que tu mets la cassette, tu as pu naître, ça a commencé. On lui a dit, ouais, tu es fort. Tu connais ton travail. Donc, c'était comme ça. Puis après, quand je suis arrivé à Abidjan, bon, les études, ça n'a pas été. Pas que ça n'a pas été parce que j'étais venu, mais ça n'a pas été parce qu'il n'y avait pas les moyens, tout ça. Mm-hmm. Et puis, ça parlait trop. Moi, je n'aime pas qu'on parle trop sur mes affaires. Donc, après, j'ai fait mes cahiers. Okay. Je me suis retrouvé. Tu as appris quand vous venez à Abidjan? Bien sûr. Comme Sarah, la légende, hein? Parce que lui. Moi, je suis venu à Abidjan. C'était la première fois de venir à Abidjan. J'étais suis né à l'intérieur. À l'intérieur, mon père il était fonctionnaire à l'intérieur. Dans quelle ville? Je suis né à Oumé. On est resté longtemps à Oumé. Après, on l'a affecté. Il était directeur de code dans un village, Gagou. Mm-hmm. On était là-bas. J'ai fait le primaire là-bas. Après, moi, je suis venu à Diogonefa. Je suis passé dans le 36e. C'est là que j'ai eu mon entrée en 6e. Je suis allé au lycée de Gagnon. C'est là que je me suis fait orienter. Mon père, lui, il a été affecté à Divo en tant qu'inspecteur. Après d'être conseiller, mon chien était à Divo. Donc, là, je me suis retrouvé à Divo. C'est à Divo que ouais, mon père est décédé quand j'allais en classe de 5e. 5e, ok. Et moi, je ne connaissais pas Abidjan. Tous mes oncles étaient à Abidjan ici. Donc, ouais, je suis resté à l'intérieur. Je suis mon oncle, je suis le cousin de ma mère. Au lycée de Gagnon, là, il fallait qu'il quitte le foyer. Il n'y a personne pour payer. Heureusement pour moi que le lycée, c'est un lycée public. Voilà, puis j'étais un peu boursier, tout ça. Donc, heureusement pour moi. Et c'est comme ça que voilà, je me défendais jusqu'à ce que je sois un peu récalcitrant au lycée. Il y avait. Ah, donc voilà, ou un peu non. Mm-hmm. Donc voilà, j'ai été vidé du lycée. Et alors, comment tu te retrouves à la rue Princesse alors? Donc je viens à Abidjan, j'étais à Sikoji et je rencontre mon ami de Gagnoa, Drissa Sila. Donc mon ami Drissa Sila dit: ah, mais petit, mais on sait comment, tu fais quoi ici? Ah, mais il est là, on se salue, tout ça. Il dit: mais tu fais quoi? Non, je suis là, oh, à l'école, j'ai arrêté. Il dit: mais. Ahmed Silla, le maquis, le Mississippi qui était à Gagnoa, voilà, mais c'est pour ton vieux père Ahmed Silla, le maquis procureur, c'est lui qui j'ai dit. Ah, il dit, mais toi, tu as te formé là-bas, comme tu étais, tu te jouais le faux DJ à Gagnoa. Voilà. Et tu jouais le faux DJ. Donc c'est comme ça. Je suis allé me former.
D'accord. Et j'allais, je connais le Désiré Procureur, c'était pas facile. Et voilà, c'est là que je me suis fait former. Il y avait l'appareil, c'était le Newmark, tout ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me former. Et c'est là que j'ai rencontré. Et c'est là que bon, j'étais avec Jonathan. Jonathan est parti au compresseur, un truc comme ça. Personnellement aussi. Et un, deux ans après, je me suis retrouvé à la rue Princesse. Mais qui est ton formateur en maths? Il y a eu DJ Soul et Alex Le Gaucher. Alex Le Gaucher. Voilà, c'est mes deux formateurs, DJ Soul et Alex Le Gaucher. Mais ce que je constate, c'est que tout le monde connaît Frankie DiCaprio, enfin le pseudonyme, mais on ne te connaît pas à l'état civil. Déjà, tu t'appelles comment? Et puis, tu es originaire d'où? Parce que j'ai entendu pas mal de choses. Hein. Il est bété, il est gamou. Bon, dis-nous exactement, tu viens d'où clairement? Ah, c'est nous, hein. Frankie DiCaprio. Faut pas nous sortir un vieux nom à Bacadabrantesque ici, hein? Ok, on t'écoute. Non, c'est Soukei Franck Yannick, à l'état civil. Originaire de Soukei, c'est Dida de Lakota. Il est Dida. Voilà, mais c'est que il y a beaucoup de gens qui te prennent pour un BT. Hein. Oui, justement, non, c'est ce qu'on m'a dit. Je viens avec Dida de Lakota de père et BT de mère biologique et Gagou de mère élevée. Tu n'es pas dans une petite région, hein? BT, Dida, Gagou. Oui, c'est parce que Gagou, pourquoi? Parce que ma mère, celle qui m'a élevée depuis là de 8 mois, c'est une femme Gagou, c'est la dernière épouse de mon père. Voilà, elle a abandonné les études, tout ça pour moi, parce que j'étais un enfant très souffrant. Vraiment, j'étais un enfant très malade, ça. Et quand tu étais petit, tu étais très malade? Ouais, très souffrant. Depuis là de 6 mois, 7 mois, j'étais malade jusqu'à 12 ans, 13 ans. Voilà. Waouh! Wow. Ouais, donc la dame, elle a tout sacrifié, c'est. Elle est ma mère. Moi, je ne savais pas qu'il y avait une mère biologique. Ah, d'accord. Jusqu'à ce que quand je deviens grand dans les discours entre nos cousins à la maison, c'est que là tu comprennes maintenant. C'est là qu'on te dit un jour, on te dit que toi, tu penses quoi? C'est pas ta maman. Ou tu vois un peu le truc comme ça. Non, c'est comme toi que j'ai appris qu'il y avait une mère qui m'avait mise au monde, mais elle est bêtée de gagner. D'accord. Et aujourd'hui, tu as des rapports avec ta mère ou pas? Oui, je l'ai connue il n'y a pas longtemps. D'accord. Tu l'as connue il n'y a pas longtemps? Il n'y a pas longtemps, il y a peut-être, on va dire, peut-être 3 ans comme ça. C'est là que non. Waouh. Ouais. Mais comment ça se fait que depuis ce temps-là, je dirais de ton âge de conscience, et tu n'as pas cherché à la connaître ou c'est quoi Ou bien ton gamessuel. Ou bien tu as été gamé, ou bien tu as dit des pas, choses. Pas forcément. C'est la vie. Hein. C'est la vie. Tu n'avais pas envie de la rencontrer? Même ça ne te disait pas de la rencontrer? Bien sûr. Depuis que j'ai appris, depuis que j'étais au collège, que j'ai appris que j'avais une autre mère, c'était mon souhait, mais il n'y avait pas de contact. Et finalement, comment tu la retrouves? Aucun contact. C'est par le bien de, je crois, d'une tante. Hein. Par le bien d'une tante qui connaissait son frère, on va dire une soeur à mon daron, voilà, qui connaissait son frère qui était gendarme. Et c'est comme ça que voilà, elle a rencontré son frère, ils ont causé, ils ont échangé, il a pris le numéro de sa tante qui, avec qui elle était à Gagnoua, un truc comme ça. Voilà, c'est compliqué. C'était compliqué. D'accord. Mais après, bon, voilà. Donc voilà, aujourd'hui, c'est bien, tout est bien qui finit bien. Tu as rencontré ta mère, vous avez de bons rapports, je suppose. Super. Dieu merci. Donc, je reviens sur la question de Défalé. Donc, tu te retrouves à la rue Princesse. Voilà, c'est là que tu es sur les platines. Ouais. Et c'est à ce moment-là aussi, on va dire, pendant cette période que moi, je te rencontre. Hein, et voilà, on devient de très bons amis. Et puis, un coup, bim, je suis là un bon matin. On me dit, il y a un certain Frankie DiCaprio qui a une chanson. Fatigué. Le concept, c'est fatigué. Et puis, ça fait bim dans toute la Côte d'Ivoire. Déjà, comment tu arrives en studio? Qui t'a repéré? Non, c'est moi, je me suis fait repérer. Hein. Comment? Moi, mais c'est moi, je me suis fait repérer. Il y a un monsieur qui voulait produire un DJ. Et puis, j'ai appris ça par mon collègue DJ qui était. DJ. Ah, le nom de mon gars est parti. Ah, je suis désolé, mon gars. Le nom a fui un coup. Il avait fait le nom de son camarade. C'est lourd. Il m'a dit, ah, Joe, il y a mon boss là. C'était qui son boss? Il produit Fimé Nanga. Ouais, Fimé Nanga. Il dit, il veut produire un DJ. Tout ça. Il dit, ah, il veut produire un DJ. Ah, ok, mais. Parce que Fimé produisait déjà les gars de Mapuka. Mapuka, et c'était l'avènement de Mapuka. Donc, il voulait rentrer produire. Voilà, donc lui, il voulait produire Ramzi. Ramzi le dernier, c'est Ramzi qui voulait produire. Et moi, je savais que quelqu'un devait produire Ramzi, un truc comme ça. Et après, DJ Blaz. DJ Blaz. Ah, c'est Blaz. DJ Blaz, ouais. En plus. Okay. Enfin, c'est Blaz. C'est un peu Blaz. Mais il y a longtemps. DJ Blaz. Gars, ça. Ouais. Là, il m'a dit, Blaz. Il m'a dit, ah, moi, mon boss. Big up, DJ Blaz. Il dit, ah, moi, mon boss l'avait produit. Ah, donne-moi son numéro. C'est moi qui ai demandé, donne-moi son numéro. Ah, donc c'est toi qui l'as appelé. C'est bien. Et tu étais dans la cabine, Ramzi, ça ne l'intéressait pas. Ouais, je me rappelle à l'époque, ouais. Ah, on dit non, que. Non, ça me fait. Mais non, tu sais, quand t'es dit là, tu peux mousser sans chanter. Bah ouais, parce que déjà, tu avais une autorité même sans chanter. Voilà, sans chanter. Donc, t'as pas besoin, nous là, c'était pas. Tu chantes tout. Mais c'est moi, j'avais envie.
Parce que moi, j'aime la musique depuis enfant. J'aime ça. Moi, c'est mon truc. Et c'est moi qui les gens qui quittent à gagner en général, c'est les gens. Je veux qu'ils arrivent à Abidjan, ils veulent devenir star. C'est son cas. On a vu ça dans la légende. Ah, bah voilà. C'est la plus belle prédiction. Ah, bah voilà. Et c'est moi qui l'ai appelé. En ce moment, j'habitais à Mondi. Carrefour à Mondi, là, Yopougon, à Antenne. Donc, je l'ai appelé. Il dit, ah, bonjour, boss, tout ça. C'est DJ Francky. Il dit, ah, à la station, il dit, non, je vais te raconter tout. Il dit, ok, pardon. Un 16h, le gars, il vient là. Il vient avec, il avait une poche. Hey, la 911. La 911. Il a coupé le cœur de l'artiste. Il dit, le boss, il a fait un peu de temps. Non, on a travaillé ensemble. Oui, on a bossé ensemble. Oui, oui. Le boss, c'est mon vieux père, c'est mon partenaire. Le boss, non, là. Il vient, il garde mon carrefour, on parle un peu. Il me dit, bon, ok, je vais au Japon. Et quand je reviens, il dit, ah, mais tu veux être où? Non, je vais être chez David Tero, tout ça, West. Il dit, non, t'inquiète pas. Torino, le samouraï. Il dit que mon vieux aussi, là, mon vieux, il a aussi un vieux esprit. Il dit, non, t'inquiète pas, il y a un petit là, ça s'appelle Théo, le très fort. Il dit, ah, moi, j'ai pas dit David Tero. Il dit, ah, non. Non, je vais chez le petit à Kumasi. Attends, le boss était en voyage. Mais c'est comme ça, on en fait prendre le son, j'appelle Mix. J'appelle Virtual Lass. À l'ancienne, c'est comme ça. Oui, on appelait tout le monde. Dès que tu as un sonnette, c'est réunion des familles. C'est réunion des familles. Avant, c'était comme ça. En fait, c'est un bel esprit. Mais justement, tu vois, c'est un très bel esprit. C'était comme ça. Et on a taffé si les sons. Et ça fait bim. Ça fait bim par la grâce de Dieu. Mais après, Firmin Nanda et toi, il y a eu des quoi? Il y a eu des bémols. Parce que bon, d'après ce que j'ai entendu, je ne dis pas que c'est la vérité, mais quand j'ai mené mes petites investigations te concernant, on dit que tu avais pour manager Yannick Kaka. Ouais. Et dans le dos de Firmin Nanda, Yannick Kaka et toi, vous partiez faire des gombos sans prévenir Firmin Nanda, alors que c'est lui le producteur à la base, c'est lui qui donne son aval pour que toi, Francky, tu puisses faire tes spectacles. C'est vrai ou c'est faux? C'est un showbiz, chacun raconte. Hein. Bon, comme tu es là, il faut nous dire la vérité. Le showbiz, chacun raconte, c'est des histoires. Voilà. Il y a les problèmes de cuisine interne, ça arrive. Mm-hmm. Ouais, un peu, non. C'est comme ça le showbiz. Quand il y a la lumière, même quand il y a un artiste quelque part qui a un peu de succès, ça devient comme. Chacun raconte sa légende. Et je vois un peu, chacun dit pour lui. Sinon, il n'y a eu absolument rien. Il y a est-ce eu juste un petit souci. Voilà, non, justement, est-ce que vous vous êtes séparés? Il y a eu quelque voilà, chose. Est-ce que vous vous êtes séparés en odeur de cet été? Vous n'êtes pas laissés en queue de poisson? Oh, mon boss, il y a juste un peu de souci. C'était quoi le souci? De compréhension. Ouais, un peu. Dit, ah, boss, comme c'est moi qui prends l'avion, et puis toi, tu es à Abidjan, ouais, tu dois sécuriser l'avance. Ou bien même dans l'avance, ça donne un petit quiche. Mais arriver là-bas, une fois, deux fois, parfois quand tu arrives, il y a des soucis. Et puis, les promoteurs peuvent fuir. Ouais, souvent, tu vas, tu fais ton spectacle. Moi, ça m'est arrivé deux fois. Hein. Tu vas, le gars, il me rate en brousse. Tu vois un peu non boss, c'est quand on va faire. Quand l'avance tombe là, au moins, moi, mon pourcentage me donne aussi pour moi. Là, quand il vient aussi, il va tomber ça là. Le boss dit, ah, il dit, va gérer. Ah, une fois, deux fois, il dit à mon manager Yannick, il a dit, ah, moi, c'est vraiment ainsi. Si le boss continue ce truc là, Cameroun, moi, il ne fait pas. Je pensais qu'il rigolait. Tu as vu, on t'a sorti de ta rue princesse, c'est maintenant déjà que ça vous a fait proposer vers le monsieur. Et puis déjà, même qui t'a donné comme manager Yannick Kaka? C'est toi qui l'as choisi ou c'est lui-même qui a décidé que tu travailles avec lui? Non, c'est moi qui l'ai choisi. Tu vois, donc lui, il choisit son manager. Non. Un certain Yannick Kaka. Moi, j'étais avec qui? J'étais avec le marmaille de bonjour de son producteur, Firmin Nanda. Après aussi, il appartenait à Plus Prod. Voilà. De Jagen Aboué. Et Jagen qui était le. Moi, j'étais DJ. Qui tournait le manager, en fait. Attention, moi, j'étais DJ. Quand Jagen donnait manager, là, pourquoi t'as pas donné producteur pendant qu'on y était? Il a laissé le monsieur finir d'investir son blé sur toi. Et toi, tu t'en prends ton manager, vous partez, l'aller le jeton dans les spectacles, le monsieur n'est au courant de rien. Il te demande des comptes maintenant, ça devient jugement. C'est là que vous êtes séparés. Moi, je suis au courant de tout. Avant et maintenant, c'est pas pareil. C'est maintenant qu'on investit dans les chansons. Bien sûr. C'est maintenant qu'on met de l'argent dans les chansons. Frère de studio, là, c'est toi qui as payé. Je viens. Je pourrais. Bon, que Dieu me pardonne. J'avais les moyens de payer. Mais tu n'as pas fait. Non, je viens. Je viens. Allons doucement. Attends, il faut croiser les pieds. Le débat est trop louis. Là, Francky, Fafa, c'est une émission où on casse papa de l'artiste. Et puis, on peut même casser papa des animateurs. Non, donc, donne ça à cœur joie. Je viens. Allons doucement. Tu sais qu'en tant que DJ à la rue princesse, nous, on se tapait de 500 000, le million par soir. C'est pas une production, c'est pas un problème pour un artiste. C'est le réseau communicatif qui est souvent un problème pour un artiste, pour quelqu'un qui ne connaît pas le showbiz. Mm-hmm. Donc, les personnes comme les Firmin Nanda, ils ont le réseau de la communication. La communication en main. Okay. Vous voyez un peu. Mm-hmm. Quand le boss était au Japon, le son avait pris. Mm-hmm.
La chanson, a... moi, je suis allé au studio, j'ai fini de chanter, je suis venu bricoler la promo. J'étais avec Ramzy, Fabrice de Nompé à son âme, Bombassi qui était déjà parti, et il y avait d'autres DJ Blast, tout ça, machin. C'est eux qui ont fait la promo. Moi, je suis tombé malade même pendant la promo. J'ai fait un mois même sans travailler, de palu. Vous voyez un peu? Et c'est derrière moi-même que le son a pris. Le son a pris, mais le boss n'a même pas que le son. C'est mon son. C'est les gens qui nous ont dit un son qui fait mal à la rue. Mais ils se sont rendu compte que ah, c'est son artiste qui l'a produit avant de partir là. Tu vois? Non, c'est pas de confondre. Voilà. Non, ne confondez pas comme si tu prends quelqu'un du néant et puis tu le vends, tu le laves. Moi, mon cas, c'est différent du cas de Tabot Cadence. Parce que dans ce moment, je suis DJ à la rue Princesse. Il était DJ chez Jagen Aboué, le meilleur maquis d'Afrique de l'Ouest. Il était bien payé, j'ai gagné beaucoup d'argent. Il y avait déjà chez moi, j'avais déjà ma femme avec qui je suis. Ouais. Merci pour la précision. Ça peut nous dire quoi qu'à l'entendre, tu es elle. Voilà, j'ai voulu être artiste. Vous comprenez un peu, non? On va revenir à c'est comme un footballeur qui va signer. C'est comme un footballeur qui va signer un mercato. Un mercato. Donc le mercato va pas dire non que tu étais ramassé de la boue. Non, 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 attention, on est en affaire. Tu vois, oui, d'accord, ça je suis d'accord avec toi, mais quand même, il y a eu investissement. Il a fait oui, mais bien sûr. C'est grâce à lui. Oui, bien sûr. Moi, je savais que tu moussais, hein, Décalé, on le connaissait à la bien reconnaissance. Sûr. Mais s'il si y a quelqu'un qui t'a donné ça, un nom non, dans mais ce ça, pays, je il ça. Faut dire que c'est firmé, non, gars. Non, c'est, non, je viens. Allons doucement. S'il y a quelqu'un qui m'a donné un nom dans ce pays, c'est par la grâce de Dieu. Qui a utilisé M. Filmé Nanga. Mais ça reste quand même grâce à lui. Dieu l'a suscité le, afin qu'il te donne les noms. Mais donc, c'est lui le fil conducteur, Dieu et toi. Non, le grand Babu, il est très jaloux. Quand tu fais les choses, il ne faut pas sauter. Il faut dire. Parce que bon, je sais comment ça s'est passé. C'est toi qui gamais Yannick Aka. Ou bien c'est je Yannick pas gamé, qui te c'est moi qui ai dit à Yannick Aka que quand vous preniez l'argent des cachets sans informer M. Filmé Nanga. Toi, Chouchou. Chouchou, regarde. Non, parce que Chouchou, prenons cette affaire, on va débattre. Mais ça dure, c'est en suspens depuis des années. Femme, mais ça doit s'appeler Faya Faya. Mais oui, Faya. C'est moi qui ai dit, c'est moi qui ai dit à moi à Yannick Aka que Yannick, il y a pas parti au Cameroun, il dit arrête, il y a pas parti hein. De quand le jeton est tombé, je suis pas parti. Mais pourquoi? C'est là que ça a pété pour le boss. Ça a pété pour le boss, ça a pété de chez pété. Dit, ah il y a pas, hey, je l'ai remboursé là déjà. Dit non, tu as pété ça. Mais après ça le bureau. Non, boss, pardon. Tu sais que t'attends, machin. Tu as fait bien, monsieur Lozier. Non, mais même avant, même, moi, j'avais voulu. Moi, je voulais plus continuer. Oui, quand tu voulais stopper. Je voulais stopper. Ouais, hein. Dès oui, que. Je me souviens, ouais. Voilà, c'est parce que bon, mais dans les détails, il faut toujours être reconnaissant. Moi, la vie, c'est comme ça. Quand j'ai galéré seul, avec le son, lutter, puis ça a pris, là, il a dit à Yannick, il faut dire à ton gars là que c'est bon. Hein. Moi, un peu de. Mais en même temps, Choula, mais en même temps aussi que Francky, il faut le dire, hein. Il se racontait beaucoup dans les bruits du couloir que tu avais pris la grosse tête de Yacouba. Exactement, les gens disaient le succès, que tu étais devenu un bruit de succès ta... de fatigué. Que tu avais manqué même de respect à Didier Bléau qui t'avait invité plusieurs fois à tes non, potes, tu avais donné ton non, accord, non, tu ne venais pas. Bah non. Qu'est-ce qui s'est passé avec Didier Bléau? Ça n'a rien à voir. Non, comment André, il a dit un truc d'abord, bien avant de chanter. Il dit tu as pris la grosse tête comme les la Yacouba, grosse tête. Allo Jaguar. Même bien avant de chanter. Vous savez, moi aussi, vous savez, le truc c'est que moi je suis hip-hop. Vous voyez un peu, non? Donc, moi, j'ai mis tout de gros pantalons, mes grosses chemises dans ma dame. Elles voient un peu. Vous comprenez un peu, non? Et donc, je transfère cette énergie-là dans le coupé décalé. Tu vois, c'est une nouvelle vibe. C'est un nouveau caractère, c'est un nouveau charisme. Tu vois un peu? Donc, c'est nouveau pour beaucoup de personnes. C'est pas, ça choque pas quand c'est un boucantier. Mais quand c'est un DJ, c'est un peu choquant. Ah, lui, là, c'est pas un bouquin. Il a envie de voiture, vite teinté. Et puis l'équipe, on le voit plus, et puis il descend pas le vibes. Elle se voit un peu. Moi, c'est mon mood. Et puis c'est la direction artistique. Ok. Vous voyez un peu, non? Ça, voilà, ça gonfle bien l'artiste, et puis ça gonfle le cachet. Oui, mais après, tu trouves pas que quand c'est comme ça, tu te mets des personnes là-dedans? Non, quand on parle de Fruki, quand moi je parle de. On dit c'est tu as pris la grosse tête. On parle pas des. On parle de comportement. On parle de peut-être même de ton attitude vis-à-vis des gens. Qui vont, qu'on va dire, qui t'ont un peu poussé aussi un peu dans tes débuts. Et ces personnes-là ont commencé à se plaindre de toi. Bon, il y a eu quelque chose avec Didier Bléau ou pas? Personne. Tu es sûr? Mais on ne t'avait pas fermé à Tempo. Est-ce que tu continues de faire Tempo? Parce qu'à un moment, je pense que tu étais persona non grata là-bas. On t'avait fermé. Non, tu sais. Une le raison. Problème avec mon problème. Moi, il y a l'histoire des arrières. C'est quoi les histoires? Francky, tu veux nous marmailler? Arrête. Non, même pas. Le problème avec mon premier producteur est arrivé tellement loin. Oui, donc ça il t'a montré qu'il a des relations. Le monsieur a sorti le contrat qui nous liait, il est parti à la RTDI. Oui, je me souviens de cette histoire. Pour dire à partir d'aujourd'hui, voilà. C'est pourquoi je dis quand les gens ne sont pas au courant, il faut que les gens arrêtent d'imaginer. Donc il faut expliquer en même machin. Temps. On va tout. Non, il faut faire un résumé expliquer. Pour que les gens comprennent c'est une fois. C'est ce que je t'ai dit là, brièvement. Voilà pourquoi bon, en fait, on t'a fait à la RTI. Il a pris le contrat. Voilà. Je me souviens de cette histoire. Et puis il est parti à la direction de la RTI. Et puis il dit à partir d'aujourd'hui,
Je ne vais plus voir, attends, machin, c'est mon œuvre. Voilà, c'est moi qui ai payé la production. C'est comme ça que j'ai dit à Yannick Gavra, que je, c'est ce que je te disais en 2007, que je voulais casser ce contrat-là parce que je me suis battu seul. Après, tu as dit, tiens, dans la vie, il faut être reconnaissant, petit, tu pries, on voit ça, j'ai dit, ok, j'ai compris, ça c'est vrai. Mm-hmm. Ouais, un peu, non, dans la vie, mine de rien, vieux là, c'est par lui que Dieu est passé. Mm-hmm. Tu vois un peu, non. Mais voilà ce que c'est en train de devenir. Parce que, tu vois. Mais moi, ça n'a rien à voir avec Francky. Si c'est là, Francky a fait. Bon, on est dans un showbiz où, quand tu. Avant, je te dis toujours avant, maintenant, ça ne choque plus. Maintenant, il y a les caractères qui ne choquent plus. Il y a les langages que tu tiens, il y a les propos que tu tiens, ça ne choque plus. On dit, ouais, c'est bon, c'est le game. Mm-hmm. Mais avant. C'était pas pareil. C'était pas pareil. Mm-hmm. Donc, moi, Francky, je peux dire, j'étais un peu en avance sur le temps. Ah bon? Oui. On dit que tu es impoli là, tu es dans la non, ça n'a rien à voir. Tu me vois un peu, j'ai impoli. Ah, c'est ce que les gens disaient. C'est parce qu'on ne me voit pas. Et non. Non, moi je vais te dire la vérité, tu es mon frère, je ne pas. C'est les gens. Même aujourd'hui, mm-hmm. quand tu parles de Francky DiCaprio, les gens sont calmés. Oh non, lui là, il est trop impoli. Quand il moussait ça. Là, il était bouffé, oui, on l'appelait, comme... il ne venait pas. Aujourd'hui, comme il mousse plus, il court derrière les gens. Qui court derrière qui? Mais je te dis. Qui a dit? Tu as demandé, est-ce que tu en secondes, non? Ah, c'est voilà. Ce que les gens disent. Depuis sais, que tu me comme connais. Comme cela, il faut éclaircir les choses une non. fois pour de bon. Depuis parce que tu les, me gens, connais, les gens disent tout et n'importe allons quoi. Doucement, allons doucement. Il mm-hmm. ne faut pas faire croire aux gens que Francky DiCaprio court derrière les gens. Ah non, c'est pas moi qui le dis. Je c'est n'ai les gens. Jamais. On dit que tu nous mousses. Donc, j'ai fait commission à tes gens là. Mm-hmm. Écoutez, Francky vous parle. Vous regardez ta commission ta à tes gens là. Je n'ai jamais dit aux gens à Bidjan, mais il ne s'est jamais dit un jour que Francky court derrière les gens. En fait, quand tu rentres dans un mouvement, pas dans l'accoutumance, ça veut pas avant là quand avant pour mousser c'est les mêmes choses que tu dois faire les mêmes choses c'est le même comportement que tu dois avoir moi j'ai pas eu le même comportement j'ai connu le succès les gens veulent que tu fasses comme tout le monde moi je suis pas l'artiste qui fait comme tout le monde c'est-à-dire je ne suis pas celui qui doit aller faire la courbette pour faire cela ah, voilà. Mais je c'est pas dans mon ADN mais fallait tu comprends ce qu'il pourquoi? Veut dire non, je le pourquoi dessus, ouais. Parce que j'ai très tôt compté sur Dieu. Mais est-ce que tu penses que le fait donc de ne pas vouloir gens, faire comme les autres, ça t'a pas fermé des portes? Jamais. Ah bah. C'est parce que j'ai pas travaillé. Mm-hmm. Francky a passé 3 années en train de tourner. Où? Je me souviens. Ouais, 3 années où dans le monde partout. Ah d'accord, tu faisais des spectacles en partout. Fait. Partout. Mm-hmm. J'ai passé 3 années, 2007 à 2010 en train de tourner partout. Mais 3 ans là, le temps il passe. Ah bah ouais. Les autres ils travaillent. Mm-hmm. Faut pas. Au fond, vous savez. Vous ne rentrez pas dans les petites tues de quartier là. Moi j'appelle ça les petites tues de quartier. Un artiste qui a du succès, ça parle. Et puis avant, là, tu t'assois, tu bois bien, tu te promènes avec tout le monde. Moi, je ne faisais pas ça. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne sors pas. Donc, tu me vois pour que je me gonfle toi. Et puis, on ne m'appelle pas parce que c'est mon manager qui décroche mes affaires. Aujourd'hui, quels sont tes rapports avec Yannick Kaka? Il est toujours mon manager. D'accord. Mais c'est bizarre, Yannick Kaka grossit et Francky DiCaprio, tu maigris. Non, mais je n'ai jamais été gros. Ouais, mais bon. J'ai jamais été gros. Parce qu'il y a des caca, quand tu le vois, il arrive là, il est devenu. Hein, je sens que l'argent va bien. Alors, on va enlever un peu le bas. Levons un peu le débat. Alors, Francky DiCaprio, tout à l'heure, tu parlais du grand barbu, tu parlais de Dieu, tu parlais de ta conscience avec Dieu, tes rapports et je dirais même ton intimité avec le Seigneur. Mais quand Clé Bailly a commencé à rendre son témoignage, à maintenir une reprise, tu as fait des sorties aussi pour tenter de la confronter dans ses dires. Voilà, tu as donné ton opinion sur. Non, on est tous là, on a suivi. On va monter le niveau. Une fois. Mais c'est que moi, je veux te poser comme question, Francky DiCaprio. Tout en étant chrétien comme elle, même tout comme moi, quand tu sors d'un certain milieu, tu as forcément ton témoignage que tu rends. Bien sûr. Mm-hmm. Voilà, en rendant ton témoignage, mm-hmm. tu dis ce qui s'est passé dans ta vie. Oui, oui. Alors, elle rend son témoignage. Mm-hmm. Moi, je ne comprends pas comment toi, tu t'élèves pour lui dire, pour contrer un peu. C'est, non, je ne voilà. peux pas. Ah non, MMSC. D'accord, mm-hmm. explique-nous alors. Claire, c'est une sœur. Ok. Nos relations sont les relations de Dieu, ça part. Non, mais est-ce que ce qu'elle a dit là, c'est faux? Je viens. Quand tu rends ton témoignage, mm-hmm. faut pas que tu tennisses l'image de quelque chose qui est un travail pour les autres. Ok. Qui t'a donné à manger. Mm-hmm. Non, même, je ne rentre même pas dedans maintenant, donner à manger. Il ne faut pas que tu tennisses l'image d'un travail qui donne à manger aux gens. Ok. Et si dans ce travail-là, il y a des choses qui ne sont pas bonnes, elle n'a pas le droit de le dire, de dénoncer. Partout. Mm-hmm. Oui, mais dénoncer une chose, je tu sais, c'est que la question. Dans ce travail-là, non. Oui. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes, non. Mais tu dénonces. C'est ce que Dieu te demande aussi. Tu dénonces. Ah oui. Il ne faut pas dire que le travail là, mm-hmm. c'est pas un bon travail.
Non. Mais après, ça reste son opinion. Non, c'est son opinion. Après, non, Francky Jumla, on l'a. C'est pour ça que je t'ai posé cette question. Je t'ai dit que tu vas. C'est son témoignage. Qu'elle a vécu, elle, personnellement. Toi, tu es chrétien. Mais son témoignage qu'elle a vécu personnellement. Mm-hmm. Qu'elle raconte son témoignage. Non, mais c'est ce qu'elle a fait. Non, non, non. Francky, c'est parce que vous n'avez pas suivi. Maintenant, elle le fait. Toi, ce qui te. Tu sais ce qui te dérangeait un peu dans l'histoire de le témoignage que Claire rendait. Peut-être que tu te dis qu'elle s'en prenait directement au mouvement coupé décalé. Exactement. Mais elle s'en prend. Toi, c'est ce que tu as perçu. Mais le mouvement coupé décalé, ça va exister. Ça va tout, ça est toujours là. Mais le problème, c'est quoi? Elle s'en prend à ce qui est mauvais dedans. Ou bien c'est les papas, elle a cassé la tête. Voilà, tu t'es reconnu dedans. C'est pas beau. Bon, on peut parler de maraboutage, bon, prostitution et tout ça. Bon. Ça existe. Ah, voilà, donc c'est pas gêné. Bah, allez, vas-y. Doucement. Je réponds à quoi au fait? Réponds-moi. Pourquoi tu es fâché? Oui. Pourquoi ce qu'elle disait te dérangeait? Parce qu'il y a des parties qui te dérangeaient. Parce que moi, mais si, moi je t'ai vu réagir. On est tous, tu dans le même. Tu poses la question, tu réponds, tu poses la question. Bon, elle aussi, elle répond. Bon, mais si ça ne te dérange pas là, pourquoi tu réagis? Mais faut que tu t'aies en même temps. Parce que si tu réagis, c'est que ça te dérange. Ou bien c'est comment tu là? Bon, parle, Francky, on t'écoute. Pourquoi tu as réagi? Je récapitule. Claire Bailly. L'évangéliste ou même pasteur Claire Bailly. Oh oui. La sœur. Avec toi, comme tout le temps. Voilà. Tu racontes, tu dis son témoignage. Il n'y a pas de problème. Mais la musique, là, c'est un travail pour d'autres personnes. Le. Hey. Oui. Peut-être que tu n'as pas suivi. Peut-être que vous n'avez pas suivi. Oui. Vous n'avez pas suivi. On va suivre où aller. Tu vas. Voilà. Et puis nous, on t'attend à la fin de où tu vas. Là, on est là. Vas-y. Tu sais de quoi il parle, hein? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu sais. Moi, je reste toujours comme ça. Voilà. Ouais, vas-y, ouais. La musique, là, c'est un travail. Ok. Tu comprends un peu, non? Ça n'a rien à voir avec ce qui se fait dans la musique. Ok. Le football, c'est un métier. Oui. Ça n'a rien à voir avec ce qui se fait dans le football. Comment ça n'a rien à voir? D'abord, pour commencer... La mécanique, là, c'est un métier. Non. Ça n'a rien à voir avec quand les mécaniciens volent l'un des gens pour fuir. Franck, tu ne peux pas expliquer. Non, moi, je suis pas d'accord. Tu mens. Non, je suis là. Tous les mécaniciens... Donc, la mécanique, c'est pas un métier. Tous les mécaniciens sont pas des voleurs. Voilà. Donc, la mécanique, c'est pas un métier de vol. Ok. Mais tu sais que la musique elle-même, d'abord, là, avant toute chose, la musique est un moment spirituel, d'abord, non? Tout est spirituel. Non, la musique même. Non, mais je tout parle... est spirituel. Non, pas quand je parle du mouvement spirituel, je dis quoi? La musique, c'est l'œuvre de l'esprit. C'est l'œuvre de l'esprit. Voilà. Donc, quand on parle de l'œuvre de l'esprit, là, il y a plusieurs classifications et il y a plusieurs catégories. Ouais. Tu ne peux pas me dire que le monde, même l'est spirituel. Ouais. Je ne vais pas dans ce sens. Je vais dans la profondeur. Donc, tu peux continuer. Donc, je reviens à dire que. Oui, dis. Tu peux faire ton témoignage, tu peux expliquer des choses, ce qui ne va pas dans le show. Ok. Ok, mais il ne faut pas dire ou me faire croire aux gens que. Que la musique là, c'est une mauvaise chose. Ah, faut pas dire aux gens que le coupé décalé, c'est une mauvaise chose. Ah, je comprends sa position. Faut pas dire aux gens que le football, c'est pas bon, elle n'est pas ballon. Elle a généralisé. Si je comprends un peu. Okay, donc, toi, c'est le faisait au début. Et quand elle a fait une fois, deux fois, trois fois, j'ai fait un poste. C'est là que la sœur, aujourd'hui, quand elle fait son témoignage, elle fait la part des choses et puis elle dit non. Bon, je vous dis ce qui se passe dedans. Bon, ok. Donc, je vais lui demander, je vais poser une question à Francky DiCaprio. Que dit la Bible sur la délivrance? Attends, il aime me retirer au Père. C'est chrétien, non? Jésus, là. Hein? Nous, aujourd'hui, là, on va se parler en tant que chrétien. Bon, d'abord, okay, on parle d'abord de renoncer. Tu es d'accord ou pas? Hein? Après la renonciation, on parle de rejeter. On parle d'avouer et on parle de confesser. C'est quatre étapes, moi, tu les connais. En tout cas, moi, je pense que... Non, tu sais, Francky, il ne faut pas faire semblant. Non, quand tu me dis non, que tu... Si, tu sais, Francky, tu sais très bien... Attends, je te dis une chose. Tu sais très bien que quelque chose dans lequel tu as été pendant longtemps, le seul moyen d'y sortir, c'est de renoncer. Tu renonces à quoi? Donc, Francky, si je veux te suivre ta logique, en fait, c'est le fait que Claire Bailly est peut-être généralisée pour dire, bon, le coupé décalé n'est pas beau. Elle aurait pu simplement parler de son expérience négative. En même temps, dénoncer aussi les mauvaises pratiques qui se passent. Ah, voilà, mais comme elle a généralisé, toi, ça mais c'est pas ce qu'elle faisait. Okay. C'est pas ce qu'elle faisait au début. Tout le monde sait, tout le monde est au courant. Bon, Francky, toi, tu n'as pas fait ça. Toi, tu es chrétien, non? Mais tu n'as jamais dénoncé les choses qui se passent à l'intérieur. Pourtant, tu les connais. Et tu en as été victime aussi. Est-ce que tu es déjà allé chez les marins? Il sait de quoi je parle. Dis-moi, Francky, développement, mais allons vite. Pourquoi est-ce que tu n'as jamais témoigné de tout ce qui t'est arrivé dans le coupé décalé? Tu avais honte de parler de ça? Non. Tu as déjà fréquenté les marabouts? Non, jamais. Tu es sûr?
Tu sais pourquoi? Non, Francky, tu me réponds pas. Attends, il va te répondre. Ouais, pourquoi tu ne l'as pas fait? Toute la Côte d'Ivoire sait que c'est moi. Non, je ne sais pas. Ouais, pourquoi? Moi, André, pourquoi est-ce que je n'ai pas dit ça? Dans ma carrière, ce n'est pas une réunion de famille. Ok. Tu vois un peu, non? Ok. Ma vision de la musique, de la carrière, là, je ne dois pas associer tout le monde. Moi, je ne pleure pas devant tout le monde. Je ne souffre pas devant tout le monde. C'est-à-dire, je fais pas les choses, moi, je ne fais pas la musique à cause de ce. À cause des yeux des gens. Ce qui m'intéresse, c'est le public. Si j'ai sorti quelque chose que le public a aimé, par la grâce de Dieu. Mais si j'ai eu des coups bas ou j'ai eu peut-être de l'adversité, je porte moi seul mon fardeau. Tu vois un peu, non? Et puis, je me confie à Dieu. Peut-être que j'ai fait quelque chose, ou même peut-être que j'aurais dû faire un truc que je n'ai pas bien fait. Donc, je me remets moi-même en cause. Je ne suis pas le genre de mec qui vient s'asseoir, qui prend son téléphone pour expliquer on m'a fait ceci, cela dans un bar ou bien telle personne a voulu me fermer. C'est pourquoi. Moi, c'est mais beaucoup, ça, beaucoup de gens le font dans le coupé des calais. Mais c'est pourquoi on est là. Ok. C'est pourquoi on est là. Nous voici ici. Genre, ça n'avance plus. Aujourd'hui, on ne devait pas être là. Parce qu'il y a 10 ans, 15 ans en arrière, on était sur les chaînes françaises, les chaînes de télé mondiales. Aujourd'hui, on ne peut même pas être sur une chaîne de télé ou même une chaîne de radio mondiale. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de temps dans les classes et les vidéos que de travail en fait. C'est parce que c'est ça là qui nous fait ça, où chacun vient s'asseoir pour pleurer à la télé. Un artiste, c'est un artiste. Après, chacun a sa façon de dire. Mais c'est pourquoi il faut s'auto-discipliner. Moi, tout ce que je peux, il faut s'auto. Moi, je n'ai pas dit que je discipline les gens. Il faut s'auto-discipliner. Moi, je regarde et je remarque les choses. Les grands artistes se comportent comment? Comment ils font? Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que Booba, là, lui, il ne va plus exister. Pardon? Booba, il ne va plus exister parce que c'est le plus grand clash. Pareil, c'est pas pareil. Mais il mousse comme ouf, comme de ouf, quoi. Non, tu as déjà vu Booba en train de pleurnicher. Mais tu ne te dis pas que c'est le game, justement, qui ce n'est pas le game. Décalé, on parlait du parce que chaque musique a son essence et a son esprit. Mais en parlant de pleurnicher, tu veux dire, il y a quel artiste de Grand Coupé de Galé qui pleurniche? Mais, paf, quand je dis pleurnicher, ça veut dire que le fait même de t'asseoir pour dire non, j'ai sorti mon son, on ne me soutient pas, tel gars me peut-être. Moi, j'appelle ça pleurnicher. Ah ouais? Il y a beaucoup d'artistes qui le font. Il y a pas ça pleurnicher, attention. Je suis d'accord avec lui. Le public ivoirien. Non, moi, c'est exprimer, c'est oh, son c'est enfantin. Mais pas pleurnicher, non? Mais c'est enfantin. Si, Défalé me fait un truc qui ne me plaît pas, Défalé, si je lui dis, tu mais appelle-le. C'est pas que je pleurniche, mais je lui montre mon mécontentement. Bon, après aussi, chacun a sa manière de voir les choses. Mais moi, personnellement, là, moi, j'ai été victime de beaucoup de choses. Il ne faut pas accepter et faire accepter aux gens la petitesse. C'est le problème du coupé décalé. On a accepté et les grandes personnes ont fait accepter aux gens la petitesse. Les grandes et personnes. Cet esprit de petitesse là, si personne n'a dit, une grande personne a dit à tel artiste, non, ce que tu fais, c'est pas bien. C'est que les grandes personnes ont accepté. Mais Francky, récemment, on t'a vu dans un clash avec le petit Ramsès Chikaya. On a vu l'histoire où il est venu même s'asseoir ici dans Fafa, où il dit que tu lui as volé son concept. Mon clash? Bon, c'est ce que l'enfant est venu dire ici. Comment il a volé son conseil? Vous vous souvenez de ce Fafa? Bon, tu n'avais pas vu ça ici. Bon, je viens d'apprendre aujourd'hui que mon fils Ramsès dit que moi, il a volé son conseil. Oui, il est venu faire une émission. Bon, c'est pas important. TV3 a dit ça aussi. C'est pas important. Ah, mais toi aussi, on t'accuse trop de voler le son. Mais c'est pas grave. Non, mais il faut bien que tu nous dises. Parce qu'effectivement, à l'époque aussi, TV3 t'avait accusé d'avoir volé son conseil. Mais c'est pas grave. Mais quelqu'un qui vole, là, celui qui sort. Bon, comment quelqu'un va voler son conseil? C'est sa chanson qui a pris. Et puis, on s'inspire de la chanson pour faire ça. Le problème avec les gens, c'est que Francky DiCaprio ne fait pas comme tout le monde. C'est-à-dire, quand je sors un concept, je laisse au public, aux mélomanes, de valoriser leur concept. C'est pour eux. Justement. Je ne suis pas le gars qui force les gens. Voilà. Mais en faisant tout ça, là, est-ce que ce n'est pas ça qui a cassé ta carrière? Mais parce que c'est vrai, tu as dit tout à l'heure que tu as tourné pendant 3 ans. C'est vrai. Mais après, quand tu es rentré, ça ne t'a pas empêché de travailler. Après ça, on a plus senti Francky DiCaprio. Est-ce que tu ne penses pas que ton travaillé, comportement non, y est pour quelque chose? Jamais. Aucun comportement qui est pour quelque chose. Il a continué de travailler à fond. C'est-à-dire que chaque chanson a sa grâce. Chaque chanson a son énergie et chaque chose a son temps. C'est pas moi qui décide du succès. C'est le grand barbu. C'est le grand barbu, je dis toujours. Tu vois un peu. Et puis comme je me connais, je sais comment je fais mes choses, c'est lui qui décide. Donc j'attends son jour. Le contrat est filmé, Nanga, il est cassé? Mais c'est un contrat qui est fini depuis 2010. On est en 2023. Aujourd'hui, on te produit ou tu t'auto-produis? Je m'auto-produis depuis 2010. Ouais, je t'auto-produis en fait. Alors, Choula, tu sais, Francky, on va dire une chose. Aujourd'hui, depuis, on va dire.
C'est vrai qu'aujourd'hui, n'est plus ce monde parlant de Feu DJ Arafat, avec qui tu as eu des collaborations. Vous avez été collègue DJ. Après, musicalement, vous avez été collègue aussi. Mais à un moment, ce fut un grand clash entre vous. Très doux. Ouais, mais vous savez, très grand clash. Vous savez que son âme, entre vous. Vous savez que Père à son âme, Arafat, lui, c'était un clash. Quand tu vas sur Google, même sur YouTube, tu tapes Arafat clash, il y a tous les artistes. Bien sûr. Oui, mais nous, c'est toi qu'on a ici aujourd'hui. Nous, on veut savoir. Comment tu as vécu cette période? Parce que ce fut une période où le clash, et puis bon, il y avait aussi, disons, l'exposition. En fait, il y avait trop de choses. Ouais, vous faisiez des musiques dans lesquelles vous vous insultiez, tu vois. Aujourd'hui, avec du recul, avec les temps qui sont passés, c'est vrai qu'il n'est plus de ce monde. Quel est ton regard aujourd'hui sur toute cette période de votre vie? Moi, en tant qu'artiste, souvent... Artiste, être humain, au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'était utile? Oui, est-ce que tu penses que c'était utile? Moi, mon perso, c'était... Si c'était à refaire, j'allais le refaire. Tu allais le refaire? T'as traité le séropositif et tout ça. Oh, c'est clash. Chacun peut dire ce qu'il pense. C'est ce que j'ai dit là, je suis là. Tu sais, faut pas en se faire. Tu allais le refaire encore. Attends, je viens. Tu sais, les égaux. Oui, on est collègues. On est frères, on est enfants de poignons, nous tous. On est à la rue. Donc, faut pas prendre ton ami pour penser que ton ami peut être ton fan. C'est impossible. Moi, je ne peux pas m'amuser à ça. Vois un DJ, il sait que c'est mon... Tu vois un peu le truc, non? Donc après, il y a des comportements qu'il ne faut pas avoir. Moi, je n'ai fait que répondre à un clash. On allait partir le clash. Nuteté, un appel d'un, c'est un commandant. Il y a un commandant. Moi, je ne suis pas lâche. Mon père, il faisait 1m94. Ma mère, elle est grande. C'est que m'élever aussi, elle est grande. Mais moi, il ne fait même pas 1m80. Mais toi, je te dis petit. À cause de mon cœur. Moi, je ne recule pas. Il n'y a pas peur. Et puis, j'ai la foi en Dieu tellement que j'ai rien ni m'ébranle. Rien. Donc il allait partir lui dans le clash. On allait partir en clash jusqu'en 2025. J'ai reçu un appel, j'étais avec Kejibara au studio quand j'ai reçu un appel d'un commandant. Ah, j'ai reçu l'ordre de temps en temps, je l'ai arrêté. C'est quoi Kejibara a pris le téléphone? Francky. L'image que vous voyez, c'est pas Francky. Hein. Temps en temps, voici. J'ai pas envie d'entrer dans les détails. Et après, il avait reçu l'ordre de t'arrêter. Voilà. Il est là, le commandant, il est là. Hein. Il est en train de se payer là encore. Après, et ça, quand j'ai croisé. Et il dit non, que c'est le boss qu'il a, que le ministre dit que voilà, attends, machin. Donc après, j'ai croisé, un jour comme ça, j'ai croisé le VP Moula encore là. Il m'a dit non, que le moins de clash à moi, j'ai reçu l'ordre. Le ministre dit que celui qui s'amuse la marque à direct. Tu me dis ça à moi, c'est commission que tu me donnes parce que vous êtes ensemble là-bas. Bien sûr. Donc tu entends, il me dit, moi, un enfant de poignon, il n'y a personne devant, personne derrière. Et puis tu sens un parfum de marque en l'air pour un clash. Donc c'est moi le problème. C'est comme ça, j'ai fui de clash. Okay. Très loin d'être un lâche. Donc, ça dit que c'est eu un mouvement où on. Hein, toi, tu es là, chez toi, à la maison, puis tu entends une chanson, on t'appelle. Donc, c'est une intimidation qui s'est passée, on peut dire un peu. En quelque sorte, c'est une chanson. C'est pas une intimidation. Hein. Ah, c'est pas une intimidation. Si tu n'étais pas Kejibara. Si c'était pas Kejibara, là. C'est parce que le monsieur le vieux. Bon, ok. Commandant Zigeï. Ok. C'est lui qui a appelé, et puis j'étais sur vous parler, puis Kejibara a dit donne-moi le téléphone. C'est lui, vieux père Francky, il ne fait pas ça. Celui qui a fait montage photo là, c'est pas Francky, hein, c'est Titi, personne. Qui? Et c'est comme ça que je vais parler au monsieur. Il a parlé au monsieur, machin. Puis le message dit ok, à fort petit, mais voilà, à moi il reçu l'ordre. Il dit ah, de la part des gars, de la part des ministres. Parce que cette affaire est partie très loin. Voilà, comment on en parle aujourd'hui. Voilà. Je sais pourquoi je lui pose des questions. Moi j'ai les réponses. Personne ne savait réellement ce qui s'est passé. Pourquoi j'ai fermé ma bouche, je me suis tué et puis j'ai disparu de ce mouvement de clash là. Vous voyez un peu. Mais quand je prends du recul, c'est pas bon pour l'image de la musique, c'est nos égos, c'est les ressentiments. Vous voyez un peu, non? C'est vraiment logiquement, c'est pas bon. Mais c'est la colère. Mais en général, tu sais qu'il y a les clashs là, qui vont très très loin. Très loin. Très loin. Qui vont ça hyper, très loin. Mais je sais, ben oui. Parce que je t'ai posé la question. La vie, hein, où les rentrées ont fait des sida, machin, parce que les sources, elles sont quoi? Des luttes contre des luttes contre ils ont commencé à entrer, ils veulent poter. Et ça partait loin. Non. Si. C'est là que c'est moi-même qui ai dit aux gens que non, c'est un clash. Laisser eux vouloir aussi porter plainte contre lui. Donc j'avais l'histoire de. C'est OMS ou bien quoi là? L'ONS. L'ONS qui voulait rentrer dans. Donc c'est moi qui dis ah, parce que moi, mon cher, où on va là? Il n'y a pas cette force là. C'était trop compliqué pour moi. Puis il commençait à recevoir des commissions. Donc c'est comme ça qu'il est tombé. Après ça, j'ai vu que quand tu es ressorti de ce clash là, c'est vrai qu'un jour, j'ai vu dans un lieu, Arafat était là. Je vous ai vu vous saluer et j'ai vu vous parler. Qu'est-ce que vous avez dit? Parce que ce jour-là, je me rappelle bien, parce que ça faisait un moment que vous ne voyez plus après tous ces clashs-là. Et puis, j'étais vu dans un rapprochement avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Tu te souviens, non? Si. D'accord. Vous devinez, en plus, on allait faire un son, tout ça. Là. Un son, oui. Puis, il a dit non, que c'est trop facile. Il a fait un son qu'à prendre d'abord.
faut que tu vois. Parce que tu racontes aux gens que c'est toi, c'est à cause de toi que les mots ne moussent pas. Oui. Pourtant, ce n'est pas à cause de toi. Hein. Ouais. C'est Dieu qui décide. Donc, parce que je me rappelle quand il est sorti. Voilà. Quand tu as fait Fadiri, Fadiri, il est sorti. Il dit, moi, j'ai été un frère qui dit. Voilà. Tu vois, non? Yoros était le genre de. En fait, c'était le genre de gars qui avait toujours besoin de sources de motivation. Ouais, donc du coup, tu lui dis non que toi tu as moussé d'abord. Non, je ne t'inquiète pas. J'ai fait un truc qui a pété d'abord. Dis, oh, laisse ça là, pour venir en fin de dehors, t'inquiète pas, tu vois. Mais et maintenant tu sois en coup. Sorti beau, oui. En coup. Et en coup là, tous les gars de couper les gars. Francis Gambé a pu couper les gars de courrier ça. Mais il a attrapé sa maison. Ce que Arafat te reprochait, c'était vrai ou faux? Parce qu'il disait que quand il partait à la station, il te donnait son CD pour jouer, tu cassais. Ouais, et que Arafat tu étais jaloux. CD pour jouer. Non, c'est ce qu'il avait dit au début. Il dit son frère TV3. Il disait, bon, la fête est direct où il faisait croire aux gens que. Son frère TV3 venait, CD, puis moi, il est cassé. Moi, il était en train de mousser. Quelqu'un qui mousse, papa, en train de casser CD. C'est ce qu'il vous dit tous les jours, là. Que moi, Francky, là, je ne suis pas comme façon les gens veulent que je sois. Moi, quand il a commencé mon moussement, il a disparu. C'est ce que j'ai reçu comme éducation musicale. Tu ne traînes pas ici, on ne te voit pas ici, tu ne parles pas n'importe comment, il ne faut pas t'habiller ici. Est-ce que tu vois un peu? Moi, j'ai des gens qui me parlent. Donne-toi une certaine image, il faut avoir un certain truc, machin. C'est ce que je suis. Mais quand il y avait quel temps d'aller à la rue Princesse? Comment il partait à la rue Princesse là? Il partait faire le malin. D'accord. Et aujourd'hui, quels sont tes rapports avec Saga, la légende? On sait que dans le temps, vous étiez collé comme, excusez-moi, cul et chemise, pour l'expression. Aujourd'hui, Saga, la légende est à gauche, il vend ses poissons. Oui, il n'est plus avec Emma Dobré. Toi, tu es à droite, tu es marié légalement, apparemment. Quand il s'est séparé de Emma Dobré, tu étais content parce que, bon, après, vous n'êtes plus en dehors de cet été, lui et toi. Ça va, Saga? Oui, à un moment, vous n'étiez plus. C'était plus trop ça. Peut-être que vous êtes rabiboché, mais à un moment, il y avait un petit truc. Non. Si, Francky. Rien. Je m'en souviens très bien. Saga et moi. Saga, la légende, petite cuisse de grillon, là. Saga. Toutes sortes de trucs, là. Hein. La seule personne avec qui il y a eu peut-être des petits bobos, des goûts, c'était Arafat. C'est tout. Hein. Maintenant, Saga Junior, son love, c'est l'amour. Un temps, ils peuvent s'aimer. Moi, je ne sais pas comment ils ont commencé l'amour. Un temps, ils peuvent s'aimer comme ils peuvent se séparer. Moi, je ne sais pas comment ils ont commencé l'amour, je ne sais pas c'est quoi la cause de l'amour. Ils se sont séparés. Voilà, chacun vit sa vie. Emma, c'est alors, mais toi, tu as fait combien de temps de vie commune avec ta femme? 17 ans. Ouais. Ta femme de galère. Oui. Depuis la galère, c'est elle que tu es. Donc, toi, au jour d'aujourd'hui, tous les on dit, bon, Drogba, sa femme de galère, le président Gbagbo, tout ça, comment on l'appelle, Sénédié, José. Toi, tu appelles ta femme de galère. Comment toi, tu appelles? C'est elle qui m'a pas laissé. Ah, il y a ça peut-être aussi. Peut-être hein. Sinon, moi, j'étais peut-être j'étais à l'essai, hein, on ne sait jamais. J'étais à l'essai hein, parce que mon cher, moi, je n'ai jamais été parfait. Hein. Voilà, moi, je ne me suis jamais dit je suis parfait. Les gens peuvent raconter, mais il ne faut pas que les gens mentent, sinon nul n'est parfait. Elle arrive à te supporter. Hein. Voilà, elle est arrivée à me supporter. Dieu merci, tu ne t'es pas séparé d'elle. Ouais, un peu non. Parce que c'est vrai que je suis chrétien, c'est vrai que j'aime Dieu, mais je n'étais pas. Tu sais, tu es chrétien. Tu restes un homme aussi. Hein. Je suis un homme. Est-ce que quand tu as eu le succès, tu n'as pas voulu fuir moi? Non, même pas, en fait. Tu l'as déjà trompé? Je n'ai pas voulu fuir. Je ne l'ai jamais trompé, voilà. 17 ans. Devant le Seigneur jamais. Tout-Puissant, Dieu créateur qui est mort sur la croix pour nous racheter nos péchés. On est au grain, non? Regarde ta caméra pour dire que tu n'as jamais trompé. 17 ans. 17 ans. Je ne l'ai jamais trompé. Il ne faut pas venir nous prendre ici comme si. La Bible. Il va jurer sur la Bible. Attends, on est en pleine émission, là. Mais oui. Alors, on va voir la Bible. On veut la Bible, tu as juré. Soko, on voit ta Bible, il va jurer sur la Bible. Bon, lève ta main et dis, je le jure. Non, je suis, t'as pas besoin. Il ne peut pas. Le Seigneur me dit, on sait qu'il a donné nous bénir. Un chrétien ne joue pas. Ce n'est pas un joue-pas. Bon, c'est qu'est-ce qu'on a vu Nestor David ici. Il t'a fait quoi? Toi, Chola, tu n'as pas dit que ta bouche était dans la tête. Bon, maintenant, après, courir là. Voilà. Maintenant, quand tu es au pied du mur là, qu'est-ce qu'on fait? On fait comment? On va où? Ouais, on va où? On saute, on grimpe ou bien on reste. On était fatigué. En bas de la côte. Non, je ne suis pas au pied du mur. J'ai ma vision personnelle de ma carrière. C'est ce qu'il dit tous les jours. Là. Les artistes pensent que la musique, c'est une réunion de famille. Moi, c'est une réunion d'artistes. Chacun a son objectif. Moi, j'ai plein de chansons. J'ai une vingtaine de chansons dans les studios différents. Okay. Vous voyez un peu, non? Et même quand je prends mon cahier de chants, là, je suis à peut-être à 196, 198 chansons. Vous voyez un peu, non? Ah bon? Donc, il suffit juste que j'ai peut-être une maison de production qui produit un album, qui sorte un album, peut-être les 14 titres, même aujourd'hui, même demain. Vous voyez un peu? Voilà, donc ce n'est pas que je dois. Non, c'est ma vision et je prie que ça se réalise. Mais ton frère, ça a la légende, il vend poisson maintenant. Est-ce que Francky DiCaprio, un jour, on te verra en train de vendre viande de brousse?
Non, peut-être. Voilà, parce que viande debout, c'est compliqué. Il y a une loi qui dit que. On peut laisser ça. Moi, il est pas toujours rien. Peut-être qu'on me verra en train de vendre les légumes. Pas que même diable va crier mal pour aller tabac les pémas là-bas d'une manière. Mais est-ce que tu peux faire comme Saga? Parce que bon, apparemment, lui, la musique n'a pas marché. Et puis, bon, il a trouvé un autre chemin. Tu l'as quoi, elle était tacnée, le gars, il t'a fait quoi? C'est mon frère. Non, Saga, ça va. Saga, en même temps, je crois qu'il a son bar. Il a changé de voiture. Je crois qu'il a son bar. Il a son bar. Poisson, la Zamache. Ça va. Je crois qu'il gère un bar aussi, ça va. C'est un homme d'affaires. Sinon, bar de Emma, elle a chassé. Il n'est plus là-bas. Ah bon? Elle a chassé de son bar. Oui. Mais il peut plus être ensemble, mais pour le laisser dans le bas, ça fait quoi? Non, elle-même, tu sais, Emma, c'est une go qui est nous six. Elle est lui-même au management, toi, elle a tout. Ah, c'est bien de quoi? Tu vois, comme si c'est pas quoi? Alors, Franck, c'est pas vrai. Quel est ton mot de fin? Quelle est ton perspective? C'est que tu annonces bientôt. Donne-nous un peu la fin. Oui, quand mon frère voilà. Saga, on est ensemble. Saga, la légende, la plus belle. C'est mon frère, Ok. Ouais, toujours un plaisir d'être avec vous, c'est la famille, on a voilà. Moi, tout ce que je dis, il faut qu'on soit toujours ensemble, il faut qu'on fasse du bon boulot. Voilà, et ce que les gens racontent, ce qui se dit, c'est ce que les gens racontent. Danser, chanter les chansons des artistes, danser les sons, si ça plaît, ça plaît, si ça plaît pas, on continue pour la suite. Bien ton coupé décalé là, vous l'avez inclus dedans. Ouais, voilà, et il a moussé, hein. Il a fait les beaux jours du coupé décalé. Alors merci dames et messieurs pour tous ceux qui nous suivent dans les quatre coins du monde. On a reçu aujourd'hui dans ce Fafa Franky DiCaprio qui vous, je dirais, vous réserve encore de nouvelles surprises parce qu'il y a beaucoup de sorties prévues qui arrivent cette année. On est dans les 20 ans du coupé décalé. Ouais. Il y aura des scènes et ils vont s'exprimer. On est en train de travailler dessus bientôt. Il y aura beaucoup de choses qui vont faire, qui seront vraiment des choses de boom. On ne peut pas tout expliquer. Sur explique dire c'est pas bon, on va garder le secret et puis ouais. Vous allez voir ce qui va se passer. Le mystère. Merci, je dirais, à tous ceux qui nous soutiennent dans les quatre coins du monde. Merci au PDG Pierrot, Kangala le Berger, la boutique chez Kra du côté de la 7e tranche, habilleur de luxe certifié. Merci. Et n'oubliez pas, le S Club est ouvert, le restaurant du César. On vous reçoit, on mange bien là-bas. Surtout, on ne mange pas, pardon, on se nourrit là-bas. Si vous voulez manger, allez manger ailleurs. Chez nous, on se nourrit. Parce que la nourriture, elle est bonne pour la vie. Ouais. Alors, Chola, elle a aussi un petit big up à faire. La dame qui l'habille tous les jours. Oui, Diva Glam Collection. Diva Glam et puis Collection. Surtout, je salue la grande, voilà. Ma grande et belle commune de Diabo. Voilà. J'y serai pendant la Diva partie. Glam Collection. Elle prend les habits là-bas, cadeau, elle ne paye pas. Bon, ah. Voilà, donc on peut parler de ça aussi. Alors, merci aussi à Frankie Aka du côté du Bazar de Versailles, côté des Macquarie. Belle boutique parisienne avec des accessoires qui font vraiment rage quand tu les portes. Merci beaucoup. C'est vrai qu'ils t'ont habillé? Non, moi, tout vient par avion. Donc, pas besoin. Donc, vos amis, voilà. Franky de... Alors, merci. Notre émission tire à sa fin. Merci à Franky DiCaprio de nous avoir éclairé sur certaines choses, sur beaucoup de choses. Ouais. On a aimé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et surtout, restez toujours et sortez couverts. Merci. À la semaine prochaine.